Salut les survivants, c'est Candy Goldo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo histoire de Fallout dans un 11e épisode sur une faction que beaucoup m'ont demandé, l'Institut. L'Institut est une des organisations les plus puissantes et avancées qu'aient connues les Terres Désolées, et oui, et on le verra ensemble, l'Institut est donc une mystérieuse organisation scientifique, une métropole souterraine avancée dans Fallout 4, une merveille de technologie n'ayant rien à voir avec ce qu'on l'on trouve à la surface du Commonwealth, c'est vraiment un univers à part. L'Institut s'est constitué sur les ruines de ce qui était autrefois connu sous le Commonwealth Institute of Technology, une espèce d'homologue au MIT de notre monde à nous. En 2077, le personnel scientifique se réfugia dans les sous-sols de l'université afin d'échapper aux ravages de la Grande Guerre et aux explosions. L'Institut fut officiellement fondé en 2110, donc un sacré bout de temps après. Par ces mêmes personnes, les générations suivantes ont creusé de plus en plus profondément dans le sol pour y créer des habitations et des laboratoires toujours plus sophistiqués. C'est une espèce d'Umbrella Corporation, mais qui s'est faite au fil du temps, qui s'est vraiment étendue comme une ville se serait étendue. Ce processus continue encore en 2287, au moment du jeu de Fallout 4. L'Institut permet à ses membres de vivre dans un environnement propre, sûr et confortable, loin des conflits et des risques écologiques qui ont rendu la surface presque inhabitable. Donc en quelque sorte, ces scientifiques ont créé un abri extrêmement sécurisé. Elle est dirigée par un conseil d'administration constitué des responsables de chacune des divisions et par un directeur spécialement nommé. Donc on est vraiment sur une colonie, un abri, mais régie comme une entreprise en fait. Chaque division est relativement autonome et tout à fait à même de fonctionner sans intervention extérieure. Mais lorsque celles-ci interagissent entre elles, le directeur a pour rôle de définir certaines règles, de résoudre les conflits et d'agir comme intermédiaire. Chaque responsable dirige une division qui contribue à un domaine particulier de l'Institut. Les événements dérangeants sont la plupart du temps cachés sous de faux prétextes, notamment ceux concernant les membres importants de l'organisation, comme le docteur Brian Virgil, qui est tout simplement Virgil, le super mutant qu'on peut rencontrer, qui travaille à un sérum pour soigner les super mutants dans les Terres Désolées. En raison de l'isolation avec le monde extérieur, un cycle artificiel a été mis en place pour simuler un cycle naturel jour-nuit. Les heures de réduction des nuisances sonores vont de 22h à 6h. Donc voilà, on est vraiment sur une société entrepreneuriale avec toujours ce but d'avancer technologiquement et scientifiquement. Mais c'est surtout un havre de paix très sécurisé pour tous les membres qui y habitent. Les scientifiques ont créé leur première génération de synthétiques et ont tenté de travailler pacifiquement avec les habitants du Commonwealth à la base. Mais une défiance mutuelle a rapidement mis fin à cette relation. Depuis, leur seule relation avec l'extérieur consiste à des missions de récupération de matériaux ou des expériences de terrain, tâches effectuées par leurs synthétiques. Ils considèrent de toute manière que leurs connaissances accumulées depuis des années sont hors de portée de la compréhension pour les habitants de Terre dévastés, leurs travaux ayant permis de développer des technologies largement supérieures à celles d'avant-guerre. Voilà un petit peu un côté qu'on pourrait assimiler à l'enclave, qui considère tout ce qu'il y a à la surface comme inférieur. Ici, c'est surtout du point de vue technologique, mais en gros, ils considèrent quand même que les survivants de les Terres Désolées ne sont pas à la hauteur des connaissances qu'ils ont accumulées jusqu'ici. Leurs travaux ayant permis de développer des technologies largement supérieures à celles d'avant-guerre, on peut penser notamment au relais moléculaire, un système de téléportation créé aux alentours des années 2180 que l'Institut utilise énormément, que nous, le joueur, on peut utiliser aussi pour infiltrer l'Institut. Conséquence de tout ça, leur simple existence relève souvent de la simple rumeur, il n'y a jamais vraiment de truc avéré. Toujours dans le but de repousser les limites technologiques, l'Institut cherche à améliorer la deuxième génération de synthétique qui, bien que très puissante, elle possède malheureusement des limites mécaniques intrinsèques. Pour surmonter ça, les scientifiques débutent en 2178 des travaux sur la conception d'un synthétique organique, la race de synthétique qu'on connaîtra dans Fallout 4, la troisième. Sous la direction du docteur Frédéric, le VEF va servir directement de première piste pour ce nouveau programme. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. De nombreux habitants du Commonwealth vont être enlevés et immergés dans les cuves du VEF, donc vraiment des méthodes carrément identiques à celles de l'enclave. Leurs mutations seront soigneusement étudiées. La plupart est ensuite marquée ou rejetée dans la nature afin de suivre l'évolution du virus. Ces études de terrain ont donné lieu à un rapport en 2224 concluant à une impasse, qu'il n'était pas possible de
contrôler ce VEF, donc même ceux de l'Institut extrêmement avancés à ce niveau-là n'y arrivaient pas. La solution arrive en 2227 lorsque Kellogg récupère Sean dans l'abri 111, notre fils. Son code génétique à l'abri des mutations post-nucléaires offre une base parfaite pour la troisième génération de synthétique. C'est exactement ce qu'avait fait l'enclave avec les habitants de l'abri 13 qui étaient complètement intacts de toute radiation. Eh ben, l'Institut l'a fait avec Sean. Les recherches exploitant le VEF sont alors écartées du projet. Sean va devenir à ce moment le père de toute une génération d'êtres synthétiques. Ces tests ne seront cependant pas sans revers puisqu'en 2229, un synthétique défectueux provoque ce que l'on appelle l'incident du masque brisé et révèle ainsi l'Institut aux yeux du Commonwealth et provoque plusieurs problèmes internes au sein de la communauté scientifique. Donc notre fils est alors destiné à devenir le père génétique de toute une nouvelle génération de synthétiques organiques, la troisième génération. Malgré son écartement, les recherches du VEF se poursuivent durant plusieurs décennies sans que celles-ci n'offrent aucune vraiment information intéressante. Lorsque Brian Virgil succède au docteur Severson au poste de responsable du projet, il est évident que ses recherches sont devenues inutiles, les résultats n'évoluant plus depuis au moins 5 ans. Finalement, ces expériences ont pris fin lorsque Virgil a fui l'Institut pour rejoindre le Commonwealth. L'utilisation de toutes ces nouvelles technologies a un prix, évidemment. Celle-ci commence avec une consommation énorme d'énergie. La cause est principalement due au réacteur et à certains de ses systèmes secondaires, refroidissement, surveillance, qui, malgré avoir été bâtis pour durer, sont des technologies d'avant-guerre qui commencent tout doucement à souffrir avec leur âge. Pour pallier à ce manque, l'indépendance énergétique est devenue l'ultime besoin de l'Institut, qui pense combler en reconditionnant le réacteur nucléaire souterrain utilisé autrefois par le CIT pour mener certaines expériences. Voilà où se trouve l'Institut pendant notre aventure dans Fallout 4. L'Institut, au final, est une véritable société, comme l'enclave, avec ses propres recherches, comme l'enclave, des méthodes parfois extrêmement horribles, comme l'enclave. Donc on peut vraiment les comparer et très rapidement, les gens développent une certaine haine vis-à-vis de cet institut. Mais il faut bien aussi y voir qu'à la base, il voulait aider les gens de la surface, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Capable de vivre en autarcie grâce à sa division de biosciences regroupant botanique, culture et récolte, il y a une main-d'œuvre infinie aussi grâce à ses synthétiques et leur fabrication dans la division robotique. Donc voilà, là on a les deux divisions les plus importantes, une qui offre de la main d'œuvre et une autre qui offre de la bouffe. Cependant, les synthétiques de dernière génération ont aussi des failles. Donc les fils de Sean, comme on pourrait les appeler, développent une conscience et c'est alors que le bureau de rétention, une espèce de FBI pour les synthétiques, entre en jeu avec ses chasseurs. Les synthétiques de troisième génération sont parfois méconnaissables d'un vrai humain, donc c'est très compliqué de les spotter. Ils s'enfuient et s'insèrent dans les terres désolées. Le travail des chasseurs, c'est justement de les traquer et de les appréhender pour procéder alors au reboot du synthétique en effaçant sa mémoire, mais souvent ça ne mène à rien et le naturel revient en quelque sorte au galop. Il existe aussi la division d'infrastructure s'occupant de l'entretien du bâtiment souterrain de l'Institut, puisque évidemment c'est un énorme machin, il faut l'entretenir. La division des systèmes avancés travaille sur l'armement et les téléportations, deux atouts clés des synthétiques. L'Institut a beaucoup d'ennemis, la confrérie de l'acier, idéologiquement opposée aux activités de l'Institut, comme on peut évidemment le constater dans Fallout 4, ils sont leur principal ennemi en 2287. La communauté scientifique cherche un moyen de la contrer de manière indirecte. Le combat frontal, c'est vraiment impossible face à la confrérie qui est largement mieux entraînée et équipée. Autre menace, mais plus secondaire, c'est le réseau du rail, qui perturbe les activités de l'Institut sans vraiment pour autant les stopper. Grâce aux agents synthétiques infiltrés, le bureau de rétention des synthétiques exploite un réseau d'informateurs déployé dans l'ensemble du Commonwealth. Donc on est vraiment sur un pays quoi, limite, hein. Vraiment l'Institut c'est un pays souterrain, ils ont leur FBI, leur police hein, avec la BRS, ils ont leur armée avec les synthétiques, ils ont leur nourriture, ils vivent en autarcie, vraiment c'est incroyablement bien ficelé. Il est donc possible avec la confrérie de l'acier d'infiltrer l'Institut et de jouer la fausse recrue avec eux. Finalement il faudra faire péter le réacteur de l'Institut et ainsi faire disparaître l'Institut dans une énorme explosion qui mènera du coup à l'apparition d'un énorme cratère
en plein Boston. Cet acte sera fortement réprimandé par la milice, et Preston Garvey ne manquera pas de vous le dire en qualifiant cet acte de purement horrible et odieux. Vous pouvez aussi décider de les rejoindre, et alors il vous faudra détruire justement la confrérie de l'acier ainsi que le réseau du rail, donc les deux principales menaces de l'Institut. Donc voilà, tout est possible pour vous, soit de les rejoindre ou pas. En tout cas, ils méritent vraiment de l'attention puisque ils sont tellement bien organisés, tellement complets, aucun aspect n'est à négliger. Il faut vraiment se dire que c'est certainement la faction la plus puissante et prometteuse pour l'avenir de l'humanité qu'ait jamais connue le Commonwealth et les Terres Désolées en général. Donc à la base avec un but commun, en travaillant avec les survivants des Terres Désolées, mais finalement voilà quelque chose qui est devenu une espèce de véritable secte, un véritable syndicat. Voilà tout pour l'histoire globale de l'Institut. Encore une fois, j'ai fait l'impasse sur des détails et événements dont certains déjà mentionnés dans d'autres vidéos. J'insiste sur le fait que mes séries d'histoires sont faites pour être visionnées dans leur entièreté, donc du début jusqu'à la fin, pour avoir un max de détails et de liens, puisqu'il y a vraiment énormément de liens dans tout le lore de Fallout, entre plein de trucs, et du coup ça se complète si vous voyez tous mes épisodes. On se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos histoire de Fallout chaque semaine. Rejoins les survivants, abonne-toi mon ami, laisse un pouce bleu, c'est super important pour moi, toujours joignable sur les réseaux sociaux, n'hésite pas, et bien sûr, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses de cet institut, et on se dit à bientôt, ciao.